Cette vidéo va t'intéresser si actuellement tu cherches à rencontrer bien des hommes, peut-être à trouver l'amour, peu importe le format dans lequel tu recherches cet homme, que ce soit des sites spécialisés, peut-être une amie qui te présente ses cousins, ses frères, ou des soirées dans lesquelles tu vas régulièrement pour peut-être potentiellement trouver l'homme de ta vie. Reste bien attentif parce que je vais te partager 3 hacks qui vont te permettre de réussir tes premiers rendez-vous. Donc le premier, c'est le choix de l'environnement, le choix du cadre. Alors quand je parle d'environnement et de cadre, c'est la réponse à c'est où et c'est quand, c'est-à-dire dans quel lieu et à quel moment de la journée, de la soirée, de la matinée. Alors, quand tu m'entends là maintenant, tu dois dire, mais Vincent, directement, idéalement, c'est à l'homme que j'ai rencontré peut-être de proposer justement eh bien son rendez-vous, c'est-à-dire le lieu dans lequel il m'invite, où on va, etc. Alors, oui et non. D'un certain sens, les hommes justement qui sont assez conscients et qu'ils ont assez d'évolution, on va dire, dans la démarche de conquérir une femme, effectivement, ils comprendront rapidement qu'il est plus intéressant pour eux, en termes d'affirmation et de leadership, et au fond d'avoir le contrôle sur la situation, que de proposer un lieu directement. Et dans ce cas-là, c'est complètement OK, tu peux t'y adapter, c'est génial. Maintenant, si tu as d'autres rendez-vous, il est intéressant aussi, toi, de proposer tes rendez-vous à toi dans des zones géographiques qui te mettre, et c'est ça l'idée, plus à l'aise, d'un lieu où tu as potentiellement même tes habitudes, ou en gros, un lieu qui montre ta personnalité, dans lequel tu peux t'exprimer pleinement. C'est vraiment intéressant parce que le but du jeu, c'est de te montrer le plus vrai possible, le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que dès qu'il a ce tableau que toi, tu vas lui peindre devant lui, s'il le trouve génial et que c'est OK pour lui, ça peut créer quelque chose de très intéressant et tu n'auras plus besoin après de te cacher derrière un masque ou de jouer un jeu, etc. Donc, c'est vraiment important dans ce sens-là, l'idée de chercher son cadre et son environnement autant que possible pour te montrer plus vrai comme tu es naturellement. Ça, c'est super important si tu veux passer un message positif. Donc, encore une fois, s'il propose son rendez-vous, surtout le premier qu'il est très ferme dans le sens positif, ferme, qui propose son truc et que ça a l'air sympa, c'est complètement OK. Mais après, les deuxièmes, troisièmes rendez-vous, si tu as la possibilité de l'amener dans ton cadre, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, d'accord? Pour vraiment, encore une fois, montrer qui tu es. Maintenant, une autre partie des hommes, et je suis sûr que tu en as rencontré déjà comme ça, sont plus indécis. Certains peuvent être même impressionnés par toi, peuvent même, il faut le savoir, énormément stressé à l'idée justement de savoir quoi te proposer comme lieu, donc où et quand. Mais donc pour toi, c'est pas mauvais en soi, c'est une opportunité justement de proposer ton cadre, un environnement convivial dans lequel tu es à l'aise et te montrer comme tu es, comme on vient de l'indiquer ici. Et je te rajoute un truc ici important par rapport au cadre. Les séducteurs chevronnés, c'est-à-dire ceux qui savent s'y prendre avec les femmes, ou les apprentis séducteurs, ceux qui apprennent justement à savoir conquérir les femmes de manière efficace, ont une information importante qu'il faut que tu connaisses, c'est que ils réfléchissent avant d'aller au rendez-vous, justement, quel est le lieu qui peut être le plus propice à, quand il y a le rendez-vous qui se passe, à te ramener le plus facilement chez eux, ce qu'on appelle la gestion de la logistique, en fait, tout simplement. Donc, la gestion de la logistique, c'est la question qui se pose avant le rendez-vous, c'est, en tout cas, c'est si son objectif, c'est de t'avoir pour une nuit. Et il n'y a pas que les séducteurs, les apprentis séducteurs qui sont dans cette démarche. Il y en a qui savent pas forcément s'y prendre avec les femmes, mais qui peuvent avoir aussi cette idée. J'ai juste que ceux qui sont apprentis séducteurs ou séducteurs ont plus la conscience que la logistique est très importante, c'est-à-dire typiquement te proposer un rendez-vous très près de chez eux, comme ça si le rendez-vous se passe bien, tu as déjà un pied dans la porte de sa maison, d'accord? Donc ça c'est un truc très important à savoir, d'où aussi le fait que ça valorise aussi l'idée que j'ai en te proposant de choisir toi ton propre cadre, idéalement peut-être proche de chez toi aussi, parce que d'une certaine manière, ça te donnera plus de maîtrise et de contrôle. Et globalement, la plupart des mecs préfèrent ramener, s'ils ont l'objectif de ramener la fille, chez eux, donc directement, plutôt que d'aller chez la femme. Alors bien sûr, tu auras des mecs qui seront complètement à l'aise d'aller chez la femme, mais tu auras beaucoup plus, toi, de contrôle sur ça à la fin, sur la décision d'y aller ou pas. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à ça et à te poser, à te dire qu'est-ce qui est le plus intéressant pour toi par rapport à cette notion d'environnement pour réussir tes premiers rendez-vous. Voilà, comme ça, je t'ai mis un peu tout le cadre justement par rapport à ce sujet. Le deuxième point que je vais te partager, le deuxième hack pour réussir tes premiers rendez-vous, c'est de te mettre sur ton 30. Alors, qu'est-ce que je veux dire par se mettre sur ton 30? Eh bien, tu connais l'expression « se mettre sur son 31 », c'est-à-dire se mettre au top du top. Cette expression, je la trouve intéressante et en application super, mais uniquement valable justement les soirs du 31. Je m'explique par là, c'est-à-dire les soirs ou les jours
peu importe, je dis soir, mais les moments où il y a un événement exceptionnel particulier, où là, ça nécessite, par rapport à ce contexte précis, comme le 31 décembre, ou un anniversaire, ou un truc exceptionnel, eh bien, de se mettre sur son 31, parce que, on va dire, les normes sociales et les codes font que, à ce moment-là, c'est complètement OK et cohérent. Parce que là, il y a une notion importante que je viens de citer, de cohérence et même de congruence. C'est un des principes les plus importants pour créer justement de l'attraction entre deux personnes, qui est de la congruence, de la cohérence, d'accord, dans les actions. Si tu veux t'installer dans une relation stable versus une relation d'une nuit, comme on vient de dire précédemment dans le point numéro 1, eh bien, vois la relation comme un marathon, d'accord? Non pas comme un sprint. Donc, si à la limite, tu as un rendez-vous, après, imaginons un rendez-vous Tinder, c'est ton premier rendez-vous, et tu es en mode, il me plaît, je veux une nuit parce que j'ai pas envie d'engagement, j'ai envie de me détendre. Donc, tu es en mode sprint. Dans ce cas-là, de se mettre sur ton 31, au top du top pour le séduire à fond, pourquoi pas? Parce que dans ce contexte et dans ton objectif du sprint, c'est très cohérent. Mais si tu as un objectif de relation stable, longue durée, et que vous allez, par exemple, dans juste à la sortie du travail à 18h, vous êtes dans un petit village, voilà, tout le monde est habillé en mode agriculteur, imaginons, c'est la norme, et toi, tu arrives en tenue de soirée du 31, d'accord? Et au fond, tu veux une relation stable. Si tu veux, ton comportement, inconsciemment, il va lui donner, lui, l'impression qu'il y a quelque chose de ouf qui est en train de se passer, parce que justement, tu vas lui proposer un cadre et un contexte particulier qui va le chauffer à fond et du coup, qui va peut-être l'inscrire dans « Waouh, il y a quelque chose à faire ce soir, faut pas que je loupe le coche, quoi, tu vois. » Là, tu vas vraiment programmer son inconscient à se motiver en mode sauvage, quoi, tu vois. Donc, c'est très important, le respect de principe de congruence dans la tenue que tu vas mettre et… Du coup, par rapport à ce que je te dis, de te mettre sur ton 30, le but, c'est de pas faire un contraste trop élevé entre ton premier rendez-vous, la tenue, l'ambiance que tu vas créer, et les deuxièmes, troisième, quatrième, cinquième rendez-vous, d'accord? Faut limiter la différence qu'il va y avoir par rapport à la tenue et l'ambiance générale de ton physique, finalement, quand tu vas arriver. Et ça, c'est super important. Donc, c'est pour ça que je dis mettre sur ton 30, parce que 31, imagine, c'est le top du top, ben 30, c'est juste un peu en dessous. Et si toi, admettons, aujourd'hui, t'as 25-26 dans la moyenne, d'accord? Quand je dis 25-26, d'ailleurs, ta tenue moyenne habituelle, ben, au lieu de monter jusqu'à trop haut d'un coup, tu montes en dessous au 30, comme ça, le contraste est moins élevé dans les prochains rendez-vous. Et ça, c'est super important. J'ai plein d'exemples, de cas d'amis et puis même hein, d'expérience professionnelle, donc de mecs que j'ai coachés directement là-dessus, qui ont été effrayés par la différence qu'il peut y avoir entre les premiers et les deuxièmes rendez-vous. Et moi, j'ai un exemple perso que je peux te partager. Ici et j'avais rencontré une femme sur Paris. Je l'avais rencontrée donc dans un happy hour, c'est-à-dire vers 18h30, 19h d'un bar classique de Paris. Alors même si globalement les gens par rapport à la moyenne en France sont habillés de manière plus élégante, là elle est arrivée, c'est plus le 31, c'est le 32, tu vois, mais c'est au top du top. Donc d'accord, elle avait, j'avoue que j'étais très sensible à ça, un rouge à lèvres très rouge, la French manicure, le pur maquillage, voilà, super tenue, donc je veux dire, ça c'était resplendissant. Donc on a passé un super moment, et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs rendez-vous avec, et à partir du deuxième rendez-vous, je veux dire, je vais faire un contraste volontaire, mais à part une mouche, il y avait personne qui aurait été attiré par elle, quoi. Elle était vraiment en mode sac. Et là, c'est un peu dur, j'avoue ce que je dis, mais le but du jeu, c'est, j'exagère, hein, c'est volontaire, c'est pour te montrer le contraste que j'ai ressenti. Mais c'était vraiment un vieux col roulé, voilà, il y a pas de coiffure, il y avait plus de maquillage, plus rien, etc. Moi, j'ai vu un gouffre, j'ai presque pas reconnu la personne. Et après, sur plusieurs rendez-vous, ça s'est confirmé. Ce qu'il faut savoir là-dessus, la vision masculine que je te propose ici, parce que c'est le but du jeu, c'est que tu vois un avis masculin et un expert dans ce domaine, c'est que ce qui se passe, c'est que pour moi, l'effet que ça fait, c'est l'effet que ça va faire au mec, si tu mets sur un 31 d'un jour normal, d'un contexte, d'un bar, je veux dire, classique, par exemple, ce que ça fait, c'est que ça révèle beaucoup de la personnalité. Moi, par exemple, les informations que j'ai eues à ce moment-là, c'est waouh, si au bout de deux rendez-vous, il y a un changement comme ça, imagine 10, 15, 20, et là, moi, je vais avoir trop de surprises qui vont me créer des ancrages négatifs. Ancrage négatif, c'est-à-dire que ça va m'effrayer avant même que ça commence. Je vais pas être à l'aise rien que de penser à elle. C'est chaud. Donc, pour moi, ça me montre une instabilité et une forte incongruence, d'accord? Qui est l'inverse d'un principe clé, justement, pour créer une relation qui donne de la stabilité émotionnelle et de l'envie, quoi. Le truc à retenir ici, c'est mets-toi sur ton 30 à part les 31. Et la troisième chose que je veux te partager ici, qui est ultra importante et à elle seule peut faire une grande différence, et d'ailleurs, je vais même te le proposer en mode défi, c'est-à-dire que si tu as un prochain rendez-vous qui arrive, c'est un des premiers rendez-vous avec cet homme qui t'intéresse, je te mets au défi de respecter ce que je vais te partager ici, c'est-à-dire le défi zéro MeToo. Alors, MeToo, c'est les moi aussi. À chaque fois que, par exemple, il va partager une information, par exemple, un voyage qu'il a fait en Australie récemment ou je sais pas quoi, et que toi, tu as eu un voyage assez similaire, de te retenir, de dire le fameux « Ah, moi aussi, je suis allé là-bas et c'est excellent, c'est vrai qu'il y a tel type de personnes et les gens sont différents, blablabla, blablabla », d'éviter ça.
Pourquoi? Parce que, un, déjà, ça coupe son déroulement de l'histoire. Donc, si tu veux, ça le ferme, lui, à la possibilité de s'exprimer. Donc, c'est pas anodin, ça, dans le terme de communication authentique et qualitative. Et la deuxième chose, si tu veux, et c'est le plus important là, ça évite d'être dans un mode naturel de rechercher de la validation, de l'approbation, etc. En gros, d'essayer de faire augmenter sa valeur par le fait de s'associer à des choses que lui, il a partagé, il a vécu dans sa vie. C'est très important ce principe. Et si tu veux, c'est justement ça qui te fait augmenter la valeur à ses yeux et qui, s'il t'intéresse, du coup, lui donnera envie d'essayer de te conquérir encore plus. En gros, lui donner envie de découvrir tes secrets, lui donner envie de découvrir qui tu es, ta personnalité, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te passionne. Et si à chaque fois qu'il dit quelque chose et que tu es dans le mode, ben oui, moi aussi je connais ci, ben oui, moi aussi je fais ça, ah oui, toi aussi, c'est vrai. Toi, dans cet état d'esprit, ben si tu veux, ça coupe un peu l'herbe sous les pieds et ça te permet pas, toi, de le laisser justement te chasser et le laisser essayer de te découvrir littéralement. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, avant que je m'étouffe, je te propose vraiment, si tu arrives à ton prochain rendez-vous, de respecter ce défi zéro MeToo et même de revenir dans la zone commentaire de me dire la différence que ça fait par rapport à tes anciens rendez-vous, juste d'utiliser cette technique-là. Et tu verras qu'en plus, c'est plus qu'une simple technique d'un rendez-vous, c'est vraiment un outil concret de revalorisation de ton estime personnelle. Parce qu'au fond, ce qui se cache derrière le moi aussi, c'est j'ai envie que tu me reconnaisses comme une personne importante. Donc s'il te plaît, montre-moi que je suis quelqu'un d'important, c'est important pour moi. En gros, c'est je cherche la valorisation externe plutôt que me la donner de l'intérieur, tu vois. Donc si tu es en paix avec toi-même, tu n'as pas besoin d'aller dire moi aussi. Tu peux que grandir et être encore plus irrésistible quand tu agis de cette manière. Je te souhaite vraiment en application eh bien, de réaliser ces trois hacks que je vais te partager dans cette vidéo. Donc je les rappelle, le premier, bah, idéalement de choisir ton environnement et ton cadre dans lequel tu es plus à l'aise pour révéler ta personnalité plus naturellement. La deuxième chose, bah, c'est de te mettre sur ton 30 à part les jours exceptionnels. La troisième chose, donc, c'est d'accepter le défi zéro MeToo pour encore plus te valoriser naturellement sans avoir à quémander de l'attention. Donc ça, si tu les mets en place, tu verras, tu vas halluciner en termes de résultats dans tes rendez-vous. Et si tu veux encore plus de contenu et aller plus loin et verrouiller justement ben, l'attraction que tu vas créer et lui donner envie de te chasser littéralement dans tes prochains rendez-vous. Parce qu'on l'a vu, si tu veux t'installer dans une relation stable, c'est vraiment un marathon, c'est-à-dire c'est au quotidien que ça joue, il faut respirer, il faut s'entraîner, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Regarde à la description de cette vidéo, j'ai un programme qui est exactement fait pour toi, ben, pour te permettre de réussir ce beau projet et t'épanouir dans ta vie sentimentale. Donc c'est le programme Le Rendre Accro Mode Emploi. Tu vas découvrir les 8 techniques les plus puissantes pour littéralement lui donner envie de te courir après sans aller le chasser, sans quémander encore une fois l'attention. Et surtout, tu vas découvrir que derrière ces 8 techniques se cachent 5 grands principes. Et ces 5 grands principes, quand tu les connais, quand tu les identifies, quand tu comprends leur signification, tu verras que tu pourras, avec de la créativité, toi-même inventer plein d'autres techniques encore plus que les 8 que je te partage dans le programme. Regarde la description de cette vidéo si le programme est toujours disponible. C'est vraiment un indispensable. Et tu peux pas te passer de ce type d'informations. Donc, je te recommande vraiment de les mettre déjà à ta connaissance et après à ta disposition pour les appliquer au quotidien avec l'homme qui t'intéresse. Voilà, je te laisse avec ça. Je te dis à très vite pour de nouveaux contenus. On se rejoint dans le programme de formation également, dans les nouvelles vidéos et dans les nouveaux coachings si tu choisis aussi d'avoir un coaching personnalisé avec moi. Salut à toi. Hey baby, don't you know that I got up on the picture.